Bonjour, bienvenue dans ce stream que j'ai décidé de faire un peu différemment de d'habitude. J'ai décidé d'essayer autre chose, mais au lieu de faire un jeu, je vais faire des tier list parce que en fait j'ai aucune idée et je me suis dit pourquoi pas. Et les tier list, j'en ai deux ici préparés qui concerne les musiques de Mario. Ouais, voilà, je vais faire ces deux-là, et puis peut-être plus, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais je les ai retrouvés il y a pas si longtemps aussi, pourquoi pas. Donc, cette tier list-ci, en fait, c'est les musiques de Super Mario Bros. 1 à 3. Et ce qui est une bonne idée, parce que leurs OST respectifs sont relativement petite, surtout Mario 1 et 2. Donc, ça devrait aller. Alors, il n'y a que 4 tiers, parce que, bon, déjà, c'est super subjectif la musique, mais surtout, en y réfléchissant, je pense, je vois pas l'utilité de 5 tiers. Je pense que je peux, genre, je peux mettre, si je peux mettre des noms, je mets iconique. Alors, non, avec les verbes, non, c'est mieux. Super, cool et bof. Mais je pense pas qu'il y en ait genre une que je déteste absolument. Donc ce sera plus pratique de le mettre comme ça. Que se passe-t-il? Ok. Ok, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu que ça se plante comme ça. Bon. Je recommence alors. Voilà. 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 Puis je fais ça. Et puis je centre. Voilà. C'est quoi? Je vais même faire un truc en plus. Hop. Magnifique. Bon. Donc. Oh non, pas encore un débat. Bonjour le Nuki. C'est pas vraiment un débat, je vais juste classer les musiques. Là, je vais faire des tier lists en général. Là, c'est des musiques, mais ne t'inquiète pas, je ne compte pas. Je ne compte pas. Comment dire. Engueuler ou quoi qui que ce soit pour leurs opinions. Surtout que c'est des musiques là. Donc, genre, j'ai aucun. Mais, genre, j'ai absolument aucun argument. Objectif niveau musique, hein, c'est juste j'aime bien ou pas, hein. Donc j'ai une page YouTube ici que vous voyez un peu en moche avec les musiques qui vont passer en fond pour rappeler un peu les musiques et qui vont probablement faire que ce stream va se faire, il va peut-être se faire strike, enfin pas vraiment strike, mais qu'il y aura des parties mutées, je sais pas comment Nintendo réagit avec ça. Alors, l'ordre des musiques mis dans ici est un peu bizarre, mais je vais aller dans l'ordre. Et on commence par l'Overworld de Super Mario Bros. 2, que je vais vous faire écouter très vite. Hop. Voilà, je le laisse en fond pendant que je parle. J'espère que c'est bon niveau son. Je l'ai un peu baissé, mais voilà. Overworld Super Mario Bros. 2, c'est iconique, je suis désolé. C'est probablement pas ma musique préférée de toutes celles-là, mais c'est iconique. Je l'aime beaucoup.
Genre l'OST de Super Mario Bros 2 est le point fort de Super Mario Bros 2. Et un truc que j'adore faire avec cette musique, c'est juste chanter entre guillemets les notes, les basses entre guillemets. Parce que quand vous faites pause dans Super Mario Bros 2, il y a la moitié de la musique qui s'arrête. Et du coup on entend que la basse. Et j'aime bien cette musique. Je vais recommencer et je vais essayer de le mettre chanter en même temps pour que vous voyez ce que je veux dire. Pom 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 pom. Donc voilà, iconique, c'est genre, c'est, je vais remettre les lettres, tiens, hop, S, et je vais mettre entre parenthèses leur signification, parce que c'est plus facile de dire S, A, B, C que de dire des mots trop compliqués, hein. On va rester sur des lettres, genre j'ai peur quand il y a trop de lettres, voilà. Alors, Underground Super Mario Bros 2, donc je vais le passer un petit peu. Alors, celui-là, je pense que c'est déjà pas facile. Il est entre A et B, honnêtement. Il est soit bas dans le A, soit haut dans le B. Je vais le mettre en B pour l'instant, mais il peut changer. Ensuite, on a le sous-espace. Ah, le sous-espace, c'est facile, c'est un remix du thème principal de Super Mario Bros. Donc, genre, quand vous êtes un remix du thème principal de Super Mario Bros, vous allez être haut directement. Voilà, c'est tiers A obligatoire quand vous êtes un remix du thème de Super Mario Bros, on est d'accord. Alors, il est très court, mais c'est pas grave, parce que généralement, un thème court, on peut lui reprocher, mais là, comme le sous-espace, on y reste genre 15 secondes, grand max, on ne devrait jamais entendre la boucle, en fait. Donc, alors, en parlant de trucs qui... De musique qui se répète, on a le combat de boss de Super Mario Bros 2. Attention. Voilà, ça recommence. Tom, tom, tom. Voilà, donc c'est le combat des boss de Super Mario Bros 2. C'est répétitif, mais honnêtement, et je vais le mettre dans cool, mais il y a des musiques répétitives qui sont vachement, vachement moins bien. Hein. Ça marche quand même, mais c'est un peu répétitif. Elle est bien, elle est cool, mais sans plus. Alors bon, le thème du Starman, c'est un peu toujours la même chose. Oh, bonjour. Tout le monde, j'ai pas l'habitude qu'il y ait tant de personnes sur un chat en même temps. Eh bien, bonjour à tous, merci pour le raid. C'est la première fois que j'ai un raid, je pense. J'allais dire, donc, les Starman, c'est toujours un peu tous les mêmes. Donc, voyons le Super Mario Bros 2, qu'est-ce qu'il donne. Ouais, le Starman de Super Mario Bros 2, il est bien parce qu'on entend le cloc 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 derrière. Et après, ça reste le Starman, quoi. Disons que... j'hésite, du coup. Parce que...
En tant que musique en elle-même, ça apporte rien de spécial au Starman, mais elle est toujours bien écoutée, donc je pense que je la laisse dans Super, parce que c'est un peu comme avec le remix du thème de Super Mario Bros. Ça. Ah, Oudi qui demande comment je vais, eh bien ça va, c'est ce stream qui me fait aller mieux, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, combat contre Wart. Hop. Oui, non, ça c'était la musique d'avant. Encore une musique très répétitive. Enfin, assez courte, la boucle est assez courte. Et honnêtement, s'il n'y avait pas la transition, s'il n'y avait pas le tan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 , ça aurait été très nul. Enfin, très nul, non, hein, mais la transition fait tout, honnêtement. Je la mets dans cool, je la mets avant, voilà. Un peu comme Underground, je pense que c'est soit OB ou BA. Ça, on dirait que je fais des sons random. OB, BA, OB, non, c'est pas nous. Et. L'ending de Super Mario Bros. 2, alors là je vais pas la passer en entier, mais les musiques d'ending ont un très gros avantage, c'est qu'elles sont plus longues, parce que l'ending c'est un seul bout, elles se répètent généralement moins, et elles ont une fin. Et donc elles sont très particulières, et souvent elles restent plus en tête, ce qui est logique, c'est la musique de l'ending, elle est faite pour être restée en tête. Où est le l'ending? Voilà, Super Mario Bros. Non, non, ça c'est pas... Oui, non, mais on s'en fout de l'ending. Je veux les crédits, moi. Ça compte pas dans l'ending, moi, je trouve. Non, mais donnez-moi le vrai ending, les gars. YouTube. Genre, c'est pas en lui criant dessus que ça va aller plus vite, mais c'est pas grave. Voilà, là ça commence pour moi. Et l'ending, je ne peux pas le mettre en dessous de tier S. Déjà, si vous connaissez Brental Floss et que vous connaissez sa série 8 Lyrics, genre c'est une des 8 Lyrics, c'est une des plus anciennes, mais c'est comme ça que j'ai découvert cette musique. Donc, il y a un souvenir associé directement. Et c'est moi ou YouTube vient d'avoir un raté, c'est pas grave. Souvenir associé, donc voilà, je ne peux pas ne pas mettre cette musique dans le tier S. Et c'est une très très chouette musique. Marisson, pourquoi Marisson? Genre, Marisson est un très chouette Pokémon, mais est-ce que... Alors oui, aussi, je regarde pas, j'ai le chat, je le vois. Mais l'aperçu du stream, non. Donc j'espère que je vais pas trop me planter. On a fait toutes les musiques de... Non, on n'a pas fait toutes les musiques de Super Mario Bros. 2. C'est étrange. La façon dont c'est arrangé. C'est pas grave. Hein. On passe à Super Mario Bros. 3. Overworld 1. Alors, il y a deux Overworld en Super Mario Bros. 3. Parce qu'ils sont... Super Mario Bros. 3, il y a assez de musique pour faire une tier list tout seul, mais... J'ai pas autant d'affection pour les musiques de Super Mario Bros. 3 que Super Mario Bros. 2. Je pense que Super Mario Bros. 3 est un bien meilleur jeu, genre bien meilleur, mais les musiques... Genre, elle est très bien, elle est très bien la musique de Super Mario Bros. 3. Mais je pense que je l'appellerai pas iconique, quoi. Elle est chouette, elle est connue. Iconique, je pense pas. Je pense que elle est super, elle est très chouette. Mais je la laisse en A. Je pense pas que ce soit vraiment si iconique. En tout cas pour moi, évidemment, ça ne reflète que mon avis. Alors. Moins bon que SMB2 et SMB1. C'est vrai que tu vois, Linuki, tu n'aimes pas spécialement Super Mario Bros. 3. C'est vrai que tu l'avais déjà dit. Mais il y a un deuxième Overworld avec Super Mario Bros. 3, c'est ça qui est bien. Il est là. Ça, par contre,
Ça, je trouve que c'est... Ça fait... Dans ma tête, c'est ça qui vient avant pour Super Mario Bros. 3. Ça, je sais pas si je le mets en iconique, mais je le mets en tiers A très haut. Voilà. Parce que celle-là, celle-là, elle est bien. Celle-là, je la trouve chouette. Mais alors, il y a Overworld 1 et 2, mais genre... C'est moi la première fois que j'avais vu des soundtracks de Super Mario Bros. 3. L'Overworld 1 s'appelait juste l'Overworld, et l'Overworld 2 s'appelait l'Athletic Team. Donc voilà, Athletic, c'est quelque chose qui a commencé avec Super Mario World techniquement, mais peut-être que rétroactivement on l'a appelé l'Athletic Team. Enfin bref, le château de Super Mario Bros. 3. Ah, ton 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 ton. Où il est le château... ouais, Fortress, ça revient même, c'est ça. Elle est chouette, cette musique. Disons que elle met bien l'ambiance pour un château. C'est une très chouette musique. Mais il n'y a rien de plus. Il me manque ces petits trucs qui me feraient vraiment adorer la musique, quoi. Alors, ensuite, nous avons l'Overworld de Super Mario Bros. 1. Alors, si vous n'avez jamais entendu cette musique, c'est l'occasion, parce que normalement, vous avez déjà entendu cette musique. C'est ce que plusieurs personnes appellent l'hymne national du jeu vidéo. Enfin, pas national du coup, parce que les jeux vidéo sont pas un pays. Mais non, je sais plus si c'est genre Hideo Kojima, quelqu'un dans le style qui a dit que le thème principal de Super Mario Bros. 1 aurait dû être l'hymne national du Japon. Mais du coup, très honnêtement... Cette musique, elle est en première place. S, il y a absolument aucune chance qu'il y ait aucune autre musique qui la dépasse. Je suis désolé. C'est genre, si je mets le mot iconique là-dedans, c'est la seule musique de jeu vidéo. S'il faut choisir qu'une seule musique, de tous les jeux vidéo qui doit être iconique, c'est elle. Donc, elle est en première position sans aucune hésitation. Alors, ensuite, on a le souterrain de Super Mario Bros. 3. Hein, c'est bien ça ? Oui, souterrain de Super Mario Bros. 3. Souterrain, il est où? Underworld. Personne n'appelle ça l'Underworld, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas ma préférée de Super Mario Bros. 3, mais très honnêtement, c'est ma deuxième préférée de Super Mario Bros. 3. J'adore cette version de l'Underground Theme. Je l'adore juste pour le... C'est quand je pense au thème à l'Underworld Team ou au thème des souterrains de Super Mario, le premier qui vient en tête, c'est celui-là. C'est le tom tom to to tom tom, et c'est de celui-là que s'inspirent tous les autres, parce que pour une raison ou pour une autre, le thème des souterrains, c'est celui qu'ils ont décidé jamais de toujours faire le même. Genre dans les New Super Mario Bros, ils ont fait des nouvelles musiques pour les autres, enfin dans New Super Mario Bros DS et Wii, parce que après ils ont décidé d'arrêter de faire des musiques originales, mais le souterrain, c'est toujours le même. Donc voilà. Alors, le Sky Team de Super Mario Bros. 3, le ciel. Ce qui est aussi, je pense, en fait, c'est plus le thème bonus, en fait. Quand on a des petits passages bonus avec beaucoup de pièces ou des choses ainsi. J'adore la musique qui s'appelle Your Dead. Merveilleux, merci. Starman, Warfussel, Music Box, Fortress, Summer King, Airship. Ouais, par exemple, la Sky Team, est-ce qu'il veut parler de celle-là? Non, c'est pas ça. C'est ça. Je pense que le Sky Team, c'est ça, c'est le thème de la Warp Zone. Bon,
rien de spécial, honnêtement. Je pense que le haut du tier B lui convient. Elle est répétitive, c'est pas encore trop grave parce que c'est une musique de bonus, ça se comprend. Ah, Iconic à cause du cartoon était joué tout le temps. C'est vrai que j'ai jamais vu les dessins animés de Super Mario Bros, donc voilà, j'ai vraiment zéro affection pour quoi que ce soit. Je sais même pas ce qui s'y passe, genre à part Mama Luigi, voilà quoi. Mais le Underwater de Super Mario Bros 3. Alors où il est? Il est là. Voyons un peu ce que... Ah, je l'ai dit, Super Mario Bros 3, malheureusement... C'est niveau musique, c'est vraiment pas mon préféré. Et je pense que... Je pense que je la mets là. Elle est cool. Je vais pas dire bof, mais genre, c'est probablement un des thèmes sous-marins que j'aime le moins, je dirais. Ah, et aussi iconique avec le cartoon, celle-là, ben voilà. La pièce du roi, King's Room. Donc ça, c'est quand on finit un airship, qu'on bat le Koopaling. Tic-tic-tic-tic, King, voilà. C'est... Elle est cool, elle fait le job, mais voilà, rien de plus. Genre, c'est pas une musique qu'on entend, enfin c'est une musique qu'on entend techniquement 7 fois quoi. Et on spam A pour que le texte passe plus vite, alors que ça marche pas dans Super Mario Bros 3, je pense, mais c'est tout. Mais voilà. Ah, par contre, l'airship. Où il est l'airship? Là. Alors, l'airship ne peut être que dans iconique. C'est un thème qui a été repris des dizaines de fois. C'est un thème qui décrit parfaitement l'airship, le niveau plus froid. Fini de jouer, fini les petites fleurs, fini les prairies quoi. Y a des boulets de canon partout. Ça marche très bien dans Super Mario Bros 3, précisément dans le monde 8, parce que c'est le monde des ténèbres, tout. Le ciel est noir, les trucs sont dans la gadoue, il n'y a plus aucune joie nulle part. Notamment pour le joueur, parce que ces niveaux sont absolument horribles. Voilà, je pense que l'airship mérite qu'on le met, et le remix du Super Mario Galaxy est génial, mais bon, il n'est pas ici, mais voilà. Alors, Toad House, la maison de Toad. La maison de Toad, c'était le nom d'un site internet qui avait probablement été fait par un adolescent, mais qu'il y a plus de 10 ans, hein, un des premiers sites internet sur Mario sur lesquels j'allais, et c'était débile, mais c'était très fun, c'était chouette, et seuls quelques bouts existent encore si vous allez sur la Wayback Machine, mais le site n'existe plus malheureusement. Alors, Toad House. Ton, 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 ton. Bon, elle est... Genre, on la connaît, celle-là, elle est bien. C'est, voilà. Elle a été reprise aussi. Je me vois mal la mettre plus bas que A, pour être très honnête. Voilà. C'est bien. Mais rien de plus de spécial. Mais bon, elle a été aussi reprise. C'est une musique qui est relativement associée à la série Mario à son entièreté maintenant, donc voilà. Le remix de Starman de Super Mario Bros 3. Ouais. Je pense que je l'aime moins que celui de Super Mario Bros 2 en vrai. Je vais le mettre juste en dessous. C'est facile à jouer au piano, juste la mélodie principale, c'est... Il y a 4 notes à savoir. Bref. Hammer Bro. Maintenant, la musique des frères Marteau. Don, don, don. Don, don, don.
Elle est très cool celle-là. Genre je pense que c'est tier A, honnêtement. Elle marche super bien, je sais pas, il y a une énergie dans cette musique qui fonctionne bien, je trouve. Voilà. Bon. Et ensuite, Spade House, donc la musique des jeux de pique. End Spade, voilà, ça doit être ça. Alors, avec cette musique-là, j'ai l'impression d'être genre dans un bar clandestin ou un truc ainsi. Mais bon, après, elle dure littéralement 3 secondes, donc voilà. Genre, je pense qu'elle va là. Elle est cool, encore une fois, il n'y a pas de bof. Il n'y aura pas beaucoup de bof, hein, parce que je me vois mal donner un bof à la plupart des musiques. Il y en aura peut-être un ou deux, mais... mais voilà. Bof, généralement, il n'y en a pas beaucoup. Je me demande si quelqu'un a fait ça avec les musiques de Pokémon Diamant et Perle, tiens. Ce serait marrant de faire ça, mais ça prendrait 20 ans comme, comme stream ou comme concept, mais pourquoi pas. Music Box, est-ce qu'on a Music Box là-dedans? Je suppose que oui, hein, parce que c'est censé être de la foule. Ouais, Music Box. Donc la boîte à musique qui est utilisée pour immobiliser les frères Marteau. Je l'ai dit, c'est un remix de Super Mario Bros. C'est automatiquement A. C'est moins bien que Subspace, donc je le mets juste en dessous de Subspace pour moi. Mais voilà, c'est un remix. Ah, le souterrain de Super Mario Bros. 1. Le souterrain de Super Mario Bros. 1. Techniquement, toutes les musiques de Super Mario Bros. 1 sont iconiques. Donc, je vais pas toutes les mettre dans S parce que ce serait un peu nul, mais elles sont toutes iconiques. Mais genre, j'ai mis là, genre elle. Je vais mettre l'Underground. Je pourrais vraiment toutes les mettre iconiques. Underground est iconique, Underwater est iconique, le Landing est iconique. C'est genre... Mais honnêtement, je pense que l'Underground de Super Mario Bros. 3, genre... Et la musique qui a vraiment créé le thème du souterrain. C'est... On a que la moitié de la musique, en fait, dans celui-ci. Donc, elle est super. Elle mérite d'être là, mais je vais pas la mettre en S. Voilà. Après le voilà le terme genre le super et iconique sont techniquement pas des iconique et techniquement pas strictement supérieur à super, hein. Mais c'était juste pour donner une idée des tiers quoi. Et aussi s'il y a trop de tiers S, ça finit par dévaluer un peu le tiers S. Vous voyez ce que je veux dire? Combat de boss Super Mario Bros 3. Alors, boss battle. Où es-tu, boss battle? Koopa Kid battle. Koopa Kid. Oui, Koopa Kid, oui, je suppose que tu peux les appeler comme ça. Alors, si ça, c'est pas iconique. Je pense que c'est iconique. Ah, Dragon Chan, merci d'être passé. Ah, je ne t'avais pas vu, tu avais dit hello en même temps que tous les trucs. Eh bien, écoute, voilà, merci d'être passé. Donc, voilà, je trouve que c'est que la musique de boss ici. Oui, ben oui, tu es là, oui, je viens de voir dans les trucs, voilà, c'est pas... Voilà. Donc ouais, le musique de boss Super Mario Bros 3, je trouve qu'elle est iconique. Je pense qu'elle est reprise. Elle marche bien. Elle marche bien. Alors, la musique de Bowser. Ah ah, Bowser Battle. Let's go. Ça, c'était la fin de la précédente. Ah non, pas encore. Voilà. Elle est cool, elle est même super, elle est tier A. Maintenant, où exactement je la mets? Je pense que je la mets ici. Voilà.
elle est très chouette. Elle est très chouette. Surtout le. Ah, ending de Super Mario Bros. 3. Ending de Super Mario Bros. 3. C'est une musique. Super Mario Bros. 3 est pas le jeu auquel j'ai le plus joué. Donc, c'est une musique qui n'était pas forcément. Me restait pas forcément en tête. Genre, quand on parlait d'ending de Mario, j'avais plus celui de Super Mario World en tête, celui de Super Mario 64 en tête. Mais quand j'ai rejoué à Super Mario Bros. 3 récemment pour mes vidéos, j'ai remarqué que la partie de l'ending qui est intéressante, c'est-à-dire pas celle-ci, me restait vraiment en tête, était vraiment, vraiment très chouette. Donc, je lui accorde le titre de tier S. Voilà. Ça, voilà, cette partie-là. Vous savez quoi, je vais refaire un petit voilà. J'ai réorganisé un peu le truc. J'essaye de faire plus ou moins ordonné, mais je réordonnerai après s'il faut. Attention, c'est la partie qui arrive maintenant qui vraiment je trouve est la meilleure. Cette musique arrive à me rendre nostalgique alors que j'ai pas, techniquement aucune nostalgie pour Super Mario Bros 3. Surtout pour sa fin, quoi. La première fois que j'ai fini Super Mario Bros 3 sans save state, c'était genre en 2017. Donc, mais voilà, ça m'a quand même marqué la dernière fois que j'ai joué, donc je lui accorde le titre de tier S. Alors, là on a les maps des... On a les maps des... Elle est très bien, elle est très bien la musique de Grassland, on la connaît très bien. Voilà, après bon, elle dure 3 secondes, c'est une musique de map quoi, mais elle est très chouette. C'est... voilà, très chouette. Et ça c'est bien, je peux faire dans l'ordre. Allez, la musique, le monde 2, le désert. Allez, je vais la mettre ici. Genre, elle est cool, sans plus. Bon, les maps, voilà. Hein. C'est pas non plus les musiques les plus importantes, les plus marquantes, je trouve. Genre, la musique du... La map du monde 1, oui, parce que tout le monde l'entend, mais... Ah, Waterland, par contre. Ça, c'est genre, si on l'accélère, ça fait la musique de la fontaine des fées dans Zelda ou un truc ainsi. Allez, elle est cool. Je vais la mettre ici. Voilà. Monde 4. Alors, le Giant Land. Voilà, bon, c'est genre. Il y a des. La plupart, elles sont ok, quoi. Il n'y a rien de spécial. Alors, Monde 5, le ciel. C'est genre, c'est les musiques dont je me souviens pas vraiment en fait. Hein. Bah, y a rien de spécial. Je vais la mettre en B, je vais la mettre en cool, je vais la mettre là parce que rien de spécial honnêtement. Et voilà Iceland. Et celle-là, cette musique hante mes cauchemars. Donc elle va lancer direct. En plus, elle fait un peu mal aux oreilles sur NES, hein. Et la musique du monde 7. Tiens, c'est marrant, il y a la musique de... Il y a l'Underwater Theme de Super Mario Bros. En... entre eux, mais ok. Donc, le thème aquatique de Super Mario Bros. Voilà. Aucune question. Numéro 2. C'est genre, le podium était déjà décidé à l'avance. C'est... Voilà.
C'est le thème qui a été repris, genre ça a été repris pour faire l'écran titre de Super Mario Bros 2. Et d'ailleurs il y a un remix dans Super Smash Bros Brawl qui est intéressant parce que il reprend le thème 8 bits au début et puis il enchaîne sur le vrai remix quoi. Et c'est un très chouette remix, je pense qu'il a été créé pour Brawl. Donc voilà. Ensuite nous avons Darkland, donc la map du monde 8 dans Super Mario Bros 3. Dun, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais, honnêtement, mais. Peut-être, je ne sais pas si c'est une unpopular opinion ou pas, mais donc on a la musique de château de Super Mario Bros. Je vais la mettre dans bof, honnêtement. C'est probablement la musique du jeu qui me plaît le moins. Elle est vraiment super répétitive. La mélodie qu'il y a derrière est bien le ton, don, don, mais ça, on l'entend pas assez. En tout cas, dans la version originale sur NES, on l'entend pas assez. Le reste est trop fort, je trouve. Et tout ce qu'on entend, c'est c'est cool, mais ça dure 3 secondes, quoi. Et voilà, ça me plaît pas vraiment. Par contre, le thème du Starman de Super Mario Bros, c'est l'original, c'est... J'ai envie de dire iconique, mais j'ai pas envie de trop utiliser le mot, et je vais juste le mettre avec les autres. Star Team, voilà. Je le mets en premier parce que je trouve que l'original a encore du poids par rapport à ces remix. Ces remix sont très bons, mais j'ai encore lu... L'original me... dit quand même plus que les autres. Genre je trouve pas que les remixes ont transformé la musique comme Super Mario Bros 3 a transformé la musique du souterrain par exemple. Voilà. Nous avons l'ending de Super Mario Bros 1. Alors, ending 1. Je la mets en cool, et si ça peut sembler un peu bas, c'est parce que y a aussi l'ending de Super Mario Bros 2, alors Super Mario Bros 2J, donc la version japonaise de Super Mario Bros 2, c'est-à-dire Super Mario Bros de Lost Levels, qui étant sur Famicom Disk System et pas sur NES, avait des capacités de son supérieures, et quand Koji Kondo a composé l'ending de Super Mario Bros, la NES fonctionnait, le landing qu'il avait était plus long. Mais ça n'allait pas. Genre, il y avait un truc sur NES qui faisait que ça allait pas. Mais sur Famicom Disk System, ils pouvaient l'avoir. Donc, si on prend donc la seule nouvelle musique dans Super Mario Bros. Lost Levels, elle est là. Et qu'est-ce que ça donne ? Déjà, la base est différente, mais il y a plus que juste ça en fait. Ça étend vraiment la musique maintenant. Et celle-là, pour moi, elle est A. Elle est très haute, elle est très bien. Même si elle est techniquement moins connue, c'est la vraie version de la musique, telle qu'elle était censée être entendue, hein, en vrai. Donc pour moi c'est celle, elle mérite le, elle est plus en A, voilà. L'ending en fait est complètement dépassé par la version de Lost Level, c'est pour ça que il est un peu bas, on va dire. Même si c'est évidemment une musique qui résonne fortement avec la plupart des gens qui ont connu Mario, bien sûr. Enfin nous avons les deux derniers, donc
l'écran titre de Super Mario Bros. 2, qui, comme je l'ai dit, est un remix du thème aquatique de Super Mario Bros. 1. Et un chouette remix, honnêtement. Genre même super, je dirais. Pas aussi chouette que l'original, hein, mais il est cool. Et enfin, nous avons la musique de sélection des personnages qui va se lancer maintenant. Cette musique est super, elle est là. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour la tier list des musiques de Super Mario Bros. 1 à 3. Au final, je sais pas, je suis satisfait de mon truc. Il n'y a que 3 bofs. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Genre, qu'est-ce que tu veux que je mette? Genre, les musiques de SMB 1, 2 et 3 selon mes goûts. Voilà. Boom. Tout est dit dans le titre. Tout est dans le titre. Non, tout est dans le titre, ça marche encore mieux. Voilà. Boom. Je voulais juste sauvegarder mon image. Hein. J'aurais pu juste faire un screenshot, mais bon. Voilà, download image. Non, je veux. Est-ce que je veux partager ma liste sur Twitter? Allez, je vais partager ma liste sur Twitter. Allez, retweetez mon tweet. Non, je déconne. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez, mais. Voilà, j'ai partagé sur Twitter. C'est génial. Il y a plein de pubs qui viennent d'arriver. C'est honte. Bon. Alors. Donc ça c'est bien, mais j'avais une deuxième tier list dans le même genre prévue, et elle est là, c'est la soundtrack de Super Mario 64. Alors là on n'a pas de petites images, mais c'est pas grave. Je vais de même ne faire que 4 tiers, je vais leur donner les mêmes noms. Super, cool et bof. Voilà, je vais vérifier que sur le stream ça ça n'est pas super moche. C'est moche. Coucou, Joëri, bienvenue. Oui, j'ai fait save download, mais comme je me suis connecté avec Twitter, il m'a directement créé ma propre tier list et je dois lui mettre un nom. Mais oui, je l'ai téléchargé après, mais oui, normalement, je pensais. Ah oui. Peut-être qu'en bas ici, c'est pas grave. Donc, musique de Super Mario 64, je vais faire la même chose, je vais aller chercher Super Mario 64 Full OST. Et si vous avez des Diodorks... Oh, bonjour, Lily Moon. Je pensais que tu étais Linuki parce que ton pseudo a la même couleur et commence par L. Mais après, je vois Linuki qui dit d'ailleurs Diodorks, c'est mauvais. Donc, premièrement, non. Alors, voilà, Super Mario 64 Complete Soundtrack. Alors, tu t'ennuies? Quoi? Parce que je fais ce stream? Oui, un peu. Mais genre, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et au final, ça m'a fait un raid de 5 personnes. Donc, voilà. C'est le début de la postérité. mais non, mais je trouvais que c'était cool, ça pouvait être... Si vous trouvez des tier listes intéressantes sur Tier Maker, allez-y, hein, j'avais que ces deux-là pour les musiques, mais si vous trouvez une tier liste des musiques de Diamant et Perle, allez-y, on est là jusqu'à demain. Mais allez-y. Donc, Super Mario 64, Title Team. It's me, Mario. Il y a un truc en moins quand il n'y a pas le It's me, Mario. Hein. En vrai... Hein? Enfin, il est cool, mais c'est tout. Genre, il n'y a rien de spécial sur cet écran titre, je trouve. Par rapport à d'éventuels d'autres jeux Mario, honnêtement. D'ailleurs, je suis en train de me dire que si je devais faire une version avec les musiques de Super Mario World, ce serait super difficile parce que Super Mario World, toutes les musiques sont géniales et sont les mêmes.
Alors, Cave Dungeon. Cave Dungeon. Alors là, je veux dire quelque chose qui m'a hanté depuis au moins une dizaine d'années. Ok ? Donc, c'est la musique de la caverne brumeuse, entre autres, etc. Et je veux que vous écoutiez dans le fond, il va avoir un moment une sorte de percussion. Ting, 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 ting. Genre, pas tout de suite, mais ça va arriver. Elle arrive plus tard. Elle arrive maintenant. Ting. Non. Mais maintenant. Ting 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 ting. Et vous savez à moi à quoi ça m'a toujours fait penser ce foutu truc. Ça me fait penser. Et vous allez le voir parce que sur mon truc. Genre cette petite, juste la percussion, hein. D'accord, ça suffit. Vous allez comprendre. Ah ça. Oh. Elle se calme. Voilà. Et je mets genre j'ai mis 5 secondes parce que sinon je vais me faire tabasser la tronche par Nickelodeon, mais ça me fait penser à ça. Et c'est l'épisode où genre il arrive à ramener les méduses dans le champ de méduses avec la percussion de Gary et Gary fait la percussion et puis il y a toute une autre musique qui se fait et que je vais pas mettre parce que voilà comme Joëri a dit il faut faire gaffe au DMCA mais moi depuis que j'ai vu cet épisode et que j'ai joué à Super Mario 64 ensemble, ces deux choses se sont combinées dans mon esprit et quand j'ai dit ça il y a longtemps à mon frère, il m'a dit c'est complètement débile . Et il a voulu prendre un exemple en disant ouais mais dans Angel Island Zone de Sonic 3 il y a un passage de deux notes, ça ressemble à Michael Jackson, voilà. Et puis je lui ai appris que Michael Jackson avait composé la musique de Sonic 3 et il s'est tué. Mais voilà. Nickelodeon ne rigole pas au direct. Bon, ok. Mais c'est pas grave, j'allais quand même me faire dézinguer par Nintendo. Mais honnêtement, cette musique, genre il y a cette percussion qui a hanté ma vie jusqu'à présent, mais rien de spécial. Et vous allez voir que Super Mario 64, c'est relativement polarisé, je trouve, comme soundtrack. On a là, maintenant, la berceuse des plans de Piranha, que vous avez pu entendre beaucoup trop fort la dernière fois que j'ai essayé de faire un truc sur mon écran de pause. Non, là. Je la mets en B, rien de particulier, mais elle est cool. Voilà, elle est cool. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle le main theme, c'est évidemment la musique de la guerre aux bombes, qui est aussi la musique de la forteresse aux bombes, qui est aussi la musique de la montagne trop haute, et de l'île grand petit, il me semble. C'est lui, c'est l'iconique. Je viens de vous spoiler. Ré, mi, sol, la, sol, do. Sol, la, la, do, ré, do, la. Sol, sol, la, sol, 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 la, sol, 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 la, sol, 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 la, sol, ré. Ré, mi, mi, sol, la, sol, si. Sol, la, la, do, ré, do, la. Sol, 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 mi, mi, do. Ré, mi, mi, sol, la, sol, do. Iconique. Voilà. Genre tiers S instantané sans aucune forme d'hésitation, c'est le thème principal, c'est iconique, c'est la guerre bobon, voilà. Même s'il y a des gens qui disent que c'est la forteresse de bombes parfois. Ensuite nous avons Slider. Qu'est-ce qui se passe? Hello. Mais
Mais c'est pas possible. Mais... Technical difficulties, en effet. Wow. Bon. Ah, ça y est, ça répond. Ça y est. Ok. Ok. Est-ce que je peux avoir mon slider si vous voulez? Parce qu'il y a YouTube qui fait n'importe quoi. Donc, slider, voilà. Voilà. Encore une fois, iconique cette musique. Genre, elle est partout. Je sais pas si je la mets avant ou après. Je pense que je la mets après Naguère Bobon parce que elle fait un peu mal aux oreilles à force. Mais Slider pour moi c'est iconique. Et c'est tellement iconique que même la version de Silva Gunner et iconique. Voilà. Mais oui, elle devient agaçante au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il faut pas trop en abuser. Et ensuite, on passe à Inside the Castle Walls, donc le château. Et on est sur du 3 à la suite parce que je ne peux inscrire cette musique que dans le tiers S, je trouve, en tout cas. Elle est devenue le thème de du château de la princesse Peach, c'est genre indissociable complètement du truc. Et voilà. Et maintenant, vos pires cauchemars. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le pire cauchemar? Si je les trouve, où ils sont? Où est-ce que tu es? Je ne le trouve pas. Je ne trouve pas la musique de vos cauchemars. Et de mes cauchemars aussi, hein. Celle-là. Voilà. Donc cette musique a hanté mes cauchemars, donc elle va en tiercer. Voilà. C'est la sentence irrévocable pour toute musique qui hante mes cauchemars. Genre, Cave Dungeon n'a pas hanté mes cauchemars, elle a hanté ma vie, elle a hanté mon cerveau, mais genre Looping Steps, enfin l'escalier sans fin, c'est notre. Et enfin, nous avons Dire Docks. Et je dis enfin parce que c'est genre les quatre musiques iconiques du jeu en fait. Genre, je pense que Lunuki, qui a dit ici que Dire Docks est mauvais, est la première personne que j'entends dire ne pas aimer cette musique. Ce qui ne veut pas dire qu'il a tort, hein. Juste les goûts sont différents, mais c'est genre. J'ai entendu plein de gens dire que c'était le meilleur thème de aquatique de tous les jeux vidéo, quoi. Donc, voilà, pour moi, elle fait partie des musiques qui méritent le tiers S. Et pour changer complètement de sujet, Léla Fatale. Wow. Je l'aimais bien quand j'étais petite cette musique, parce que je pense que j'aimais bien La Fatale. Mais ce qui est bizarre, parce que je détestais le... Je détestais les sables trop mouvants et c'est la même musique, mais... Comme j'ai dit, très polarisé, il y en a encore aucune en A. Hein. Et ensuite, nous avons Snow Mountain. Donc la montagne Glagla.
Et je pense que c'est la première dans le tiers A. Elle est super cette musique. Genre c'est pas le truc le plus iconique, mais je trouve qu'elle est très 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 chouette. Et genre comparé à d'autres trucs, genre au moins c'est une musique quoi. Genre par exemple, c'est la même. Oh, aha. Ok, j'ai la suivante. Donc maintenant, on va faire Haunted House. Donc le royaume du roi Boo. Non, le manoir du roi Boo. Si j'ai mis Lethal Lavalin en C, je mets Haunted House en C. Je suis désolé. Hein. C'est, il y a encore moins de musique là-dedans. Donc et une musique qui aurait pu éventuellement hanter mes cauchemars, mais ça n'a pas été étant le cas. Le manège. La musique la plus réjouissante et la plus effrayante en même temps, qui est pour moi dans cool, c'est tout, voilà, entre genre vers le bas de B, on va dire. On dirait qu'ils ont record, quelqu'un souffle dans le micro, c'est ça. Est-ce que tu peux nous faire une musique de Mario 64? Oui, bien sûr. Nous avons le Mario volant et Mario invisible. Powerful Mario. Rip tes oreilles, tout à fait. C'est un remix du Starman, donc c'est toujours bien. Elle est cool. C'est soit B, soit A. J'hésite un peu, mais je pense que je vais la mettre dans le dessus de B. Voilà. Parce que juste après on a Metallic Mario, donc Mario Metal, qui est ici. Qui est un remix que j'aime beaucoup plus et que je vais mettre dans A sans hésitation. Ah, le alors, où il est le file? Ah, file select. Pourquoi il est là, file select? Enfin bref. Alors, cette musique, elle est cool. Si vous avez regardé les vidéos de Pancook 2012, elle est injectée à 100 degrés dans votre esprit. Donc je suis obligé de la mettre en A, voilà. Alors, stage boss, donc ça c'est pour les boss normaux, pas Bowser je pense. Voilà. Mais... Fast select, oui c'est possible, mais là comme ça je ne saurais pas dire... Il y a quand même une mélodie, je vais la mettre dans cool, mais ça aurait pu la mettre dans bof, voilà. Et ensuite on a Koopa's Road. Tiers A. Elle pourrait être S, elle pourrait être iconique en vrai, vu qu'elle a été reprise dans Galaxy, celle-ci, mais je vais la garder en A. Je vais pas mettre trop de trucs dans iconique, c'est une très 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 bonne musique. Elle met bien l'ambiance, elle colle parfaitement au niveau. Genre, très très bon le thème de niveau de Bowser. Alors, Koopa's Team maintenant. Donc, la musique contre Bowser, quoi. Voilà.
Voilà, c'est fait. Elle est faite, Ah, bon, ben voilà. Mais attention, nous avons Ultimate Koopa. Ultimate Koopa. Elle commence quand? On dirait la musique de Goya dans Noir et Blanc. Je pense qu'elle est cool, mais il y a quelque chose qui manque, je trouve, dans cette musique. Je sais pas dire quoi. C'est peut-être juste parce que le boss final est nul, hein, mais ouais. Voilà. Alors, ending démo, je ne sais pas exactement ce que c'est parce que c'est pas le staff roll, puisque les staff roll après. Ah oui, c'est ça. Bon, considérant que j'avais basiquement oublié l'existence de cette musique, elle va pas aller très haut. Ouais, voilà. C'est genre dans B, quoi. Et enfin, on a le staff roll. Mario a enfin réussi, il a encore sauvé la princesse. Aucun ennemi ne l'arrête, il suffit qu'il... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Ce remix doit avoir 10 ans, hein. Enfin ce remix, c'est Speed Game quoi, début de Speed Game. Quand on voit que même Yoshi a eu son utilité. Bleu, blanc, rouge. Tout comme la France. Enfin bref. Et il nous reste juste Bernard Plains Lullaby Piano. Ce qui est un bonus sur la soundtrack de Super Mario 64 et qui est nulle part dans le jeu. Donc en fait, je vais même pas la mettre parce que je m'en fous. Elle est pas dans le jeu. Et voilà à peu près Super Mario 64. Genre, au niveau d'OST, c'est pas la meilleure, je pense. Voilà, honnêtement. Mais ça va. Alors, maintenant, voyons ce que Joëri m'a donné. Contrôleur tier list. Alors. Hop. Hop. Voilà. Hein? Non, en tout cas. Donc. Voilà. La tier list des manettes. Alors. Je vais faire ce tier là en disant que je les ai jamais utilisées. Beaucoup. Enfin, jamais utilisé réellement. Voilà. J'ai déjà tenu une manette GameCube dans ma vie, mais je n'ai jamais vraiment utilisé. Donc, j'ai jamais utilisé un ça, ou ça, ou ça, parce que j'ai eu la PS1 avec les joysticks analogiques. C'est des Xbox, on s'en fout. Et j'ai la manette GameCube, même peu importe à quel point je la déteste, parce qu'elle est moche, je l'ai jamais vraiment utilisée, donc je ne veux pas la juger comme ça. Si on faisait juste par joliesse, c'est pas un mot, je sais, par beauté, là je pourrais toutes les trucs, mais j'ai pas envie de. Donc, il nous reste les Joy-Con, la manette de la Super NES, la manette PS4, la Wii U Gamepad, la manette PS1 DualShock, la manette Pro de la Switch, la manette PS2. Donc ça, c'est la DualShock 2, la DualShock 3, la manette de la NES et la Wiimote. Oui, j'ai entendu les manettes Xbox,
genre généralement sont assez appréciés, sauf la toute première de la première Xbox qui est absolument horrible et qu'ils ont dû la redesigner en plein milieu parce que le Japon n'en voulait pas. Mais voilà. Donc, la première chose à faire, c'est renommer les tiers. Donc, S, c'est super agréable. A, c'est agréable. B, c'est bof. Et C, c'est passé, c'est les Joy-Con parce que cette manette est une merde. Voilà. Donc, la manette de la SNES, alors je lui ai fait l'expérience à travers la mini SNES, mais c'est la même, donc je pense qu'on peut, dire. Elle est bien, elle est agréable. La manette européenne et les manettes européennes et japonaises sont supérieures parce qu'elles sont plus colorées, sans être un foutoir comme ce truc là. Genre, une sorte de classe dans les 4 boutons colorés, symétriques, avec le reste du design qui est fin, qui est élégant, qui ne ressort pas, qui n'est pas criant. Et aussi parce que j'aime pas le mauve et ça me fait chier que les Américains ont des boutons mauves, c'est nul, c'est moche, voilà. Alors, ça c'est la DualShock 4. J'adore la DualShock 4. J'ai grandi pour les consoles de salon avec la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Principalement la PlayStation 2. Avant d'avoir la Wii. Et puis la Wii U. Et puis la Switch. Donc, enfin, faut vous dire que les PlayStation, c'est basiquement les seules consoles de salon avec les manettes normales auxquelles j'ai joué. Et donc, moi, mes sticks analogiques, il faut qu'ils soient alignés. Il le faut. Il le faut pas vraiment. J'aime beaucoup le Switch Pro Controller aussi. Mais je suis plus à l'aise quand les sticks sont alignés parce que c'est comme ça sur PlayStation, c'est comme ça que j'ai grandi. Je les aime toutes sauf la manette NES qui a les coins qui rentrent dans les paumes. Oui. Donc, genre, elle est agréable, la manette, la DualShock 4. Elle est très cool. Elle est genre, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Rien d'autre à dire. Le Wii U Gamepad, c'est pas l'idéal. Genre, ça va, je l'aime bien, je le déteste pas, le Wii U Gamepad, mais parfois, c'est genre, les mains sont à 40 km de distance, c'est pas très agréable. Voilà, c'est pas l'idéal. Après, les manettes PlayStation, c'est un peu toutes les mêmes, donc je vais toutes les mettre dans agréable. Je mets dans ce store-là parce que la PS2 vaincra. Et parce que la PS3, les gâchettes sont un peu bizarres, je trouve. Ouais, les Joy-Con Switch, crince, oui, mais moi je joue pas en mode portable et les Joy-Con c'est de la merde, c'est des manettes à 80€. J'ai joué à Super Mario Odyssey en mode portable avec les Joy-Con. Mes mains sont trop grandes. Pour les Joy-Con, mes mains! J'ai des petites mains! Et elles sont quand même trop grandes! Genre, c'était hyper pas agréable. En fait, j'essayais de bouger la caméra, je pense, avec le stick droit, et je touchais les boutons sans faire exprès ou l'inverse. C'est genre, ah! Je ne supporte pas les Joy-Con. Et c'est super cher, ça casse, c'est nul à chier. Mais je déteste les Joy-Con. La manette Switch Pro, elle est super agréable. Honnêtement, je l'ai mise en dessous de la manette PS4 à cause des sticks, parce que j'ai décidé d'être chiant à propos de ça. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cette manette. Genre, je me suis rendu compte qu'elle est vraiment super agréable. Les gâchettes sont agréables, les sticks sont bien, les boutons. Enfin, c'est genre, j'ai joué à Smash sur cette manette, quoi. Et elle est vraiment très, très cool. Genre, j'hésitais un peu pour dépenser 60€ pour une manette, parce que ça fait cher. Surtout que ma manette précédente, c'était une manette... c'est comme une manette Pro Switch, mais filaire, à 30€. Mais le joystick s'est un peu cassé assez vite. Et donc je me suis dit, je vais dépenser plus d'argent pour une manette officielle Nintendo. Et je ne le regrette pas. C'est cher, mais je ne le regrette pas. La NES, c'est bof. Je ne m'en souviens pas énormément parce que j'y ai joué beaucoup quand j'étais petit parce que mon père avait une NES. Donc j'avais probablement des mains encore plus petites que maintenant. Mais genre rien qu'à y penser, ça doit pas être la manette la plus agréable à contrôler. Genre toute carrée comme ça, on ne savait pas. Et puis la Wii Mode, c'est très cool. C'est genre il n'y a pas besoin de ce...
Pas besoin de commencer à tergiverser. La Wiimote, elle est bien. Il faut éviter de la lancer dans la télé, quoi. Mais non, la Wiimote, elle est bien. Et la Wii U, ça permet aussi de bloquer les gens qui essayent de jouer à New Super Mario Bros. U, si jamais vous êtes, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Les manettes. Selon mon goût. Voilà. J'ai pas énormément joué avec celle de la N64. Ah non, mais la N64, c'est genre. Je crache sur la GameCube un peu pour le même, mais la manette de la N64, c'était une horreur. Regardez-moi ce truc, c'est genre. Et là, les gens, ils font ouais, mais c'est pas grave, parce que tu dois jamais utiliser les trois en même temps, tu dois genre utiliser deux. Bah oui, donc tu as fait une manette où tu pourras jamais utiliser tous les boutons, génial. Waouh. Bon, bref. Alors, allez, qu'est-ce que je pourrais faire comme autre comme tier list? Qu'est-ce qu'il y a allez, on va faire une petite tier list Pokémon. Ça fait toujours plaisir, une tier list Pokémon. Je vais voir s'il y a un truc de genre de musique Pokémon, parce que c'est... Non. Genre, il y a des trucs Pokémon, il y a des trucs musique, mais il n'y a pas des trucs Pokémon musique. Hein. C'est quand? Pokémon Design Rankings, oui, bien sûr, c'est ça. Best Pokémon Games by Music. Ouh. Ah, Pokémon Music. Hein. Music for all Pokémon Rules, Cave and Culture Areas. Bah, Il y en a trop. Ça me prendrait trop de temps. Ah oui, donc ça c'est la musique de la 1G en fait. C'est genre c'est bien de mettre des bonnes descriptions. Pokémon, voilà, ça c'est ce que j'attendais quand je voyais Pokémon tier list, musique tier list. Ouais, ça par contre, c'est genre, c'est complètement con. Ok, d'accord. Bon, alors, celle-là, je la garde en favori. Mais je la fais pas aujourd'hui parce qu'elle va prendre trop longtemps, mais je la garde en favori. Allez, je vais en faire une qui va peut-être durer moins longtemps. Mais je vais en faire une, j'ai envie d'en faire une Pokémon quand même. Parce que je m'y connais. Où est Pokémon? En tout cas, il est très bien fait ce site, c'est faux. Je vais mettre Pokémon sans accent parce que parfois c'est... Alors, all Pokémon Starters, All Evolution. Ok, d'accord, ça marche. D'accord, ok. Voilà. Allez, toutes les starters, toutes les formes. C'est bien ça, c'est bien. Est-ce que vous voyez bien les trucs? Voilà. Alors. Ok. Alors, qui va déjà faire un truc avec 7 tiers? Non. Les pattes, ça va être très facile. J'ai besoin de juste 3 tiers. C'est genre. Tous les jours. Genre toutes les semaines ou de temps en temps. Voilà. Féniferno mérite plus de crédit. Ah, si tu le dis. Donc tortellini. Alors tortellini, c'est toutes les semaines. C'est très bon les tortellini. Il faut pas trop en abuser. Les tortellini, l'avantage c'est que réchauffées le lendemain, elles ont encore à peu près le même goût. Donc ça c'est bien. Tier list des maladies après. Non, Potter, s'il te plaît. S'il te plaît. Déjà non, c'est la dernière pour aujourd'hui parce qu'il va être 21h. Voilà. Les fusils. Ouais. De temps en temps. C'est pas de préférence. Lasagne tous les jours, c'est très bien les lasagnes. Voilà. Un des rares trucs de pâte où je mange la viande hachée avec parce que. Mais même si des fois j'en laisse. Celle-là, je vois même pas vraiment à quoi ça ressemble. Donc, hein.
J'ai mis j'ai jamais vraiment beaucoup mangé. Les macaronis, c'est du classique, c'est tous les jours, c'est voilà, macaronis c'est classique. Cela, ça dépend. Non, je vais mettre toutes les semaines. C'est bien en fait, mais alors il faut un truc en plus. Il faut une sauce avec pour que ça rentre dedans en fait. Celui-là, genre, ouais, c'est bien quand c'est les pâtes tordues comme ça, mais les oreillettes. Alors, genre, j'aimais beaucoup quand j'étais petit, mais j'en mange pas souvent, donc je vais laisser dans de temps en temps, mais c'est pas mal. Alors, ça c'est genre, c'est des comme des spaghettis, mais très très fins. J'aime beaucoup quand les spaghettis sont fins. Donc pas tout le temps, mais c'est chouette. Voilà. Alors bucatini, genre on dirait des spaghettis presque, mais non, j'ai dit bucatini. Mais donc voilà, ouais, ça revient au même. Risoni, ça dépend. Je pense que je vais le mettre là. Ah, voilà. Les penne, c'est un classique aussi. Voilà. Le mieux avec les penne, c'est quand on les fait au four avec du gratin. Et des aubergines aussi. Les tagliatelles, ça c'est... Genre pas souvent, les tagliatelles, c'est très très... C'est cool. Tagliatelles aux épinards. C'est top tier. Tagliatelles aux épinards. Voilà. Les gnocchi. Ça va, les gnocchi, c'est un peu comme ceux-là. Il faut quelque chose avec, il faut une sauce qui rentre dedans, mais sinon c'est bien. Les spaghettis, ce sont les rois, c'est le numéro 1. Les rigatoni, ben, c'est très bien aussi, comme les penne. Les farfalets, de temps en temps, mais c'est bon dans le bouillon, en fait, les farfalets, je trouve. Linguine. Alors, linguine, c'est bien, c'est comme les spaghettis, mais c'est un peu différent, c'est plus plat en fait, au lieu d'être cylindrique. C'est une sorte. C'est un peu genre au milieu entre les tagliatelles et les spaghettis. C'est très bon. Et les raviolis, je pense que je préfère les tortellini, mais les raviolis sont bons aussi. Voilà, voilà. Tier list de pâtes. Les tagliatelles à la crème, oui, oui. Un truc souvent au restaurant, je vais à un nouveau restaurant, j'essaie de voir s'ils ont souvent ils ont des tagliatelles au scampi. Spaghetti way overrated. Tu serais d'accord avec Max sur ce coup-là, parce qu'il en a marre aussi des spaghettis, mais moi, genre, jamais, jamais les spaghettis. S'il ne faut garder qu'un seul truc de pâte, c'est les spaghettis. Voilà. Après, les meilleures pâtes, mon plat de préféré, c'est les pâtes au petit pois. Mais alors, c'est les spaghettis, mais on les coupe en morceaux. Et je sais que quand ça commence comme ça, ça fait bizarre, parce que normalement, quand on a plus de 7 ans, on mange pas les spaghettis en morceaux. Mais c'est fait avec. Donc, il y a les petits pois, les pommes de terre et du lard. Genre, évidemment, lard optionnel pour ceux qui n'en veulent pas, mais genre tout se mélange et c'est délicieux, voilà. Et il faut que j'apprenne à le faire un jour. Et bien voilà. J'espère que j'espère que vous avez apprécié ce petit. Garder que les spaghettis comme garder que la génération 1. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais heureusement il ne faut pas faire que ça. Farfalle à la crème au petit pois au lardon. Ah ouais, c'est toujours une valeur sûre. À la crème et au petit pois, c'est genre je l'aurais pas associé moi, mais enfin j'en sais rien hein, moi, j'ai aucune. Juste parce que ce sont les originaux, mais il y en a des meilleurs. Ouais, mais non, il y en a pas des meilleurs, c'est justement ça. C'est genre les spaghettis, c'est pas la génération 1 par rapport aux autres générations de Pokémon, c'est comment te dire ça? C'est genre, c'est les trois premiers Paper Mario par rapport aux autres.
S'il faut garder qu'un seul Paper Mario, on garde les trois premiers. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce concept. Je pourrais le refaire si ça vous dit, et si vous m'envoyez des, si vous voyez des idées de tier list marrantes. Moi, je retiens ces tier list parce que comme ça, je vous les ferai en thème de discussion du jour. Hop, je peux les, je peux rapidement les balancer. Et je garde la tier list des musiques, des routes et tout ça Pokémon pour la prochaine fois, mais comme celle-là il y a beaucoup d'entrées, je la garde pour une prochaine fois. Du coup, merci à tous d'avoir regardé, la rediffusion sera disponible très bientôt et on se retrouve demain pour un autre stream, et ce sera probablement la suite de Diamant Snowball Nuzlocke dans ce cas-là. Au revoir tout le monde.